Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous lire. Les frelons et les mouches à miel de Jean de la Fontaine. À l'œuvre on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel cent mètres se trouvèrent, des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose, les témoins déposaient qu'autour de ces rayons des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort et telles que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi, dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt six mois que la cause est pendant, nous voici comme au premier jour. 42 Pendant cela le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte, n'a-t-il point assez léché l'ours Sans temps de contredits, et d'interlocutoires, et de fatras, et de grimoires, travaillons, les frelons et nous, on verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. J'espère que ma lecture vous a plu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et un petit pouce bleu, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, pour une nouvelle histoire.